Alors, bonsoir à tous. Voilà, je fais cette vidéo juste pour parler à un petit frère qui doit comprendre beaucoup de choses. Et Nikapon, et cette vidéo, je te la dédie ça parce que je t'aime bien. Je vais te parler en tant que grand frère. Je vais te parler dans le signe de la sagesse. C'est vrai, aujourd'hui, c'est de ton âge. Mais hélas, ne confonds pas les erreurs dans le game. Ceux aujourd'hui qui te follow là, s'ils ne te donnent pas des conseils, pardon. Cherche des bonnes personnes qui vont te donner des conseils parce que regarde, tu as une belle étoile et tu es encore frais. J'ai fait la vidéo pour ce que tu as répondu. La vidéo que tu as faite à l'endroit de la mère d'Arafat, même si la mère d'Arafat a fait des erreurs, petit frère, c'est ta mère. Elle a mis un monument au monde. Peu importe les erreurs de la mère d'Arafat, tu es personne pour la répondre. Petit, tu es encore frère. Ce que nous sommes en train de faire là, on appelle ça le visuel. Mais le spirituel, tu es encore frère. Petit, après cette vidéo, cherche à faire la sympathique de la sagesse pour te excuser. Je sais de quoi il te parle. Ceux qui t'encouragent, je peux te dire que c'est le game, c'est le game. Quand tu vas trébucher, ça serait difficile pour toi de te lever. La vie, quand on avance, c'est le silence qui nous aide. C'est le pardon, c'est la tolérance. Une mère qui a engendré un monument de notre pays, qui n'est plus de ce monde, perd son âme. Peu importe ses erreurs, même si elle a incité ton handicap, c'était le silence seul qu'elle a amené à la raison. Petit, il ne faut pas regarder qu'aujourd'hui tu mousses. Tu vas répondre à la mère d'un intègre du pays qui n'est plus de ce monde. Ceux qui t'ont encouragé, qui sont en train de t'applaudir, ils ont des mères. Dans la vie là, quand tu ne sais pas ce qui te suit là, prie pour quelqu'un qui fait des erreurs, pour qu'enfin la personne puisse se retrouver. Mais on ne répond pas à une personne qui a fait des erreurs. On cherche à prier pour que cette personne à demain ne puisse pas faire des erreurs. Petit, tu es encore bébé. Si aujourd'hui tu mousses, que tu manges des millions, des dollars, il ne faut jamais répondre à une personne qui a le même âge que ta mère, même si elle a fait des erreurs. Ça, c'est une. Regarde, si tu veux être béni, tu veux prospérer dans ta vie, évite de répondre à des personnes qui sont âgées. Évite de répondre à des personnes qui ont le même âge que ta mère. Si tu veux vivre longtemps, il ne faut pas confondre la vie spirituelle avec la vie visuelle. Le game ne connaît pas le spirituel. Tu sais de quoi il te parle. Il y a beaucoup de choses dans ce que nous traversons aujourd'hui que moi je ne suis plus dedans. Je te parle en tant qu'un grand frère, petit frère. Quand tu vas regarder cette vidéo, demande pardon à la maman d'Arafat parce que tu l'as répondu. Tu es trop enfant pour répondre à une mère qui a engendré un monument de notre pays. Peu importe l'erreur de cette mère, même si elle a incité ton handicap, le silence seul pouvait rectifier ses erreurs. Tu es bébé pour répondre à cette dame-là. Nous tous là, c'est notre mère. On connaît son giga. Aujourd'hui, tu mousses. Ceux qui t'encouragent là, petit frère, il faut chercher des gens qui vont te donner des conseils pour que tu puisses avancer dans ta carrière et vivre longtemps. Je sais de quoi il te parle. Cette vidéo était dédiée à Nikapon. Nikapon, tu as commencé un bon mouvement. Il faut éviter de répondre à des grandes personnes qui ont même âge que ta mère. Je sais de quoi il te parle. Je te parle en tant que grand frère, puis je te parle dans le spirituel. Ça, c'est la sagesse qui nous fait. C'est la sagesse qui me permet de te dire ça. Va t'excuser auprès de cette mère-là. Si tu veux avoir longue vie, tu veux vivre longtemps, tu veux avancer. Je m'en bats les couilles de ceux qui vont venir commenter ma vidéo en mal ou en bien. Ceux qui vont commenter en bien, ils ont la crainte de Dieu, ils connaissent le futur. Quand tu connais pour demain, quand tu connais pour aujourd'hui, tu ne connais pas pour demain. Il faut savoir placer tes paroles, il faut savoir respecter les plus aînés. L'éducation nous permet de respecter les gens qui sont plus âgés que nous. Ça, c'est l'éducation et le respect. Et la longévité de vivre. Petit. Une fois. Petit. Deux fois. Petit. Trois fois. S'il y a le pardon, il y a la tolérance. C'est ce qui peut apaiser notre cœur de vivre longtemps.
Faut pas regarder le mouvement, tu as dit c'est le game, tu as sauté, sauté petit, tu es encore bébé. Oh. Faut pas confondre la rapidité avec l'endurance. Oh. Ceux qui sont en train de te follow, qui sont en train de t'encourager, là, quand ça va commencer, ils ne seront pas là. En bon entendeur, bonne soirée.